I know what it is to be broken and be bold. Tell you that my silver is gold, though much too old for make believe. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer une vidéo routine teint flawless. C'est une le type de vidéo. C'est le type de vidéo que... Je suis essoufflée. Les routines teint flawless sont des vidéos qui sont très recherchées sur internet. Et moi, je voulais vous en proposer une parce qu'il y en a très peu sur ma chaîne des routines teint. Et pourtant, c'est la chose que je préfère, enfin, qu'il faut travailler le plus lorsque l'on se maquille. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous en faire une. Alors, avant de commencer le maquillage, je voulais préciser certaines choses qui me... qui m'agace un peu, qui m'énerve un peu sur, les réseaux sociaux ainsi que sur YouTube. Qu'est-ce que veut dire le mot flawless? Flawless, c'est un mot qui veut dire sans, sans imperfection, sans tache, parfait. Bien entendu, je n'ai jamais vu de toute ma vie une personne qui a une peau parfaite. La peau parfaite n'existe pas. Alors, on est souvent à la recherche d'une, d'un fini... au niveau du teint qui ressemble un peu aux Kardashians, mais les Kardashians c'est les Kardashians, toi c'est toi, moi c'est moi, et ils n'ont pas du tout les mêmes produits, ils n'ont pas du tout les mêmes routines de peau que nous. Il faut savoir que les Kardashians, alors je nomme les Kardashians, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui sont très souvent référencées avec une peau flawless, mais il faut savoir que ces personnes qui sont connues et qui ont les moyens peuvent aussi se procurer des produits cosmétiques de ouf, mais surtout des interventions dermatologiques de fou, enfin, qui sont complètement hors de prix. Donc voilà, cette façon de vouloir tout le temps avoir la peau à la Kardashian, moi ça m'insupporte. Ce ne sont pas des références, et avoir une peau flawless, c'est-à-dire une peau sans imperfection, ça n'existe pas. Bien entendu, pour avoir une peau flawless, il faut bien entendu avoir une routine soin de qualité, le maximum que vous puissiez faire. Nettoyez votre peau après chaque maquillage, nettoyez vos outils de maquillage après chaque maquillage, n'utilisez jamais des pinceaux sales, mais jamais, jamais, jamais. Avoir un teint flawless, c'est tout simplement avoir un teint bien maquillé, bien posé son fond de teint, bien poser les poudres, bien poser les contours, etc., le blush, etc. C'est tout simplement ça. Vous n'êtes pas obligé de faire du baking pour avoir un teint flawless. Donc bien entendu, avant de vous maquiller, il faut hydrater votre peau. Donc ici, moi, j'ai nettoyé mon visage, j'ai mis un tonique, j'ai mis mon sérum et ma crème hydratante. Maintenant, je vais passer au primer. Alors un primer, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un produit que vous allez poser sur votre visage et qui va vous aider premièrement à faire tenir votre maquillage, mais aussi à répondre à votre problématique de peau. Si vous avez une peau sèche, vous allez poser une primer hydratante qui vous permettra aussi de faire tenir le maquillage. Si vous avez une peau grasse, vous allez poser une primer qui va réguler votre sébum et qui fera tenir le maquillage. Si vous avez une peau mixte, vous allez poser une primer qui va réguler le sébum de votre zone T, mais qui va aussi vous permettre de faire tenir votre maquillage toute la journée. Je me suis donc rapprochée et ici, moi, je vais poser une primer de Smashbox. Et donc, moi, cette primer, depuis que je l'ai découverte, je l'aime énormément. Je la pose uniquement à ces niveaux-là pour pouvoir minimiser l'apparence des pores de ma peau. Maintenant, nous allons passer à l'étape correction, c'est-à-dire que je vais corriger les taches brunes que j'ai sur la peau ou tout simplement les endroits les plus sombres de ma peau. Et pour ce faire, étant donné que j'ai une peau noire, j'utilise un produit orangé. Si vous avez la peau plus claire, vous prenez plutôt quelque chose de pêche saumon. Et si vous avez la peau très très claire, prenez vraiment quelque chose de plus saumon que de pêche. Alors dans ma routine, moi j'ai l'habitude de laisser sécher un peu le produit pour qu'il puisse, coller un petit peu à la peau avant de le fondre. Donc je vais attendre un peu que ça sèche et je reviens. Donc voilà, maintenant je vais prendre un beauty blender et je vais mélanger en fait, je vais essayer je vais faire adhérer le produit à ma peau. Et le but en fait c'est que lorsque je vais poser le fond de teint, les taches les plus foncées de ma peau vont être complètement, effacées parce que j'ai posé une couleur qui a corrigé justement ces taches brunes foncées. Déjà, vous voyez, il y a déjà un premier travail de correction et c'est impressionnant comme ça fait toute la différence. Alors au quotidien, je ne fais pas ça. Hein. Au
quotidien, de toute façon, je me maquille pas, donc... Je vais maintenant appliquer mon fond de teint avec un pinceau à fond de teint, tout simplement. Ici, j'ai pris le Smith numéro quelque chose, 115. Et c'est un pinceau en poil naturel, en poil de chèvre. Maintenant, je vais prendre ma Beauty Blender et je vais imprégner le fond de teint sur ma peau. Je vais ensuite illuminer mes cernes et les points de lumière de mon visage. Bien entendu, vous n'illuminez pas votre visage de la même manière que moi, surtout si on n'a pas du tout la même forme de visage. Si vous avez un front beaucoup plus dégagé que moi, surtout n'allez pas mettre de d'anticerne sur le front, ça va vous faire un front encore plus long. Par contre, j'évite de mettre de l'enlumineur ici parce que j'ai déjà un menton qui tombe, vous voyez. Donc vraiment, je me concentre uniquement sur la zone T pour pouvoir un visage un peu radieux et réveillé. Alors bien entendu, là je mets énormément de produits sur mon visage, hein. Vous n'avez pas besoin d'en mettre autant, surtout si vous voulez un rendu assez naturel quand même. Le bébé n'arrête pas de bouger, il bouge dans tous les sens. Là, il est réveillé, ça y est. Donc voilà, ma peau est illuminée comme jamais. Vous voyez, je n'ai plus du tout aucun relief sur le visage. On va annuler cet effet poupée de cire en ajoutant des zones sombres sur son visage. On va sculpter en fait son visage pour se donner un air vivant et humain. Donc je vais prendre mon stick d'Anastasia Beverly Hills et je vais en l'appliquer ici. Je vais aussi en appliquer au niveau du nez. Je viens prendre ma Beauty Blender noire et je vais venir estomper le produit. Alors concernant le contouring du nez, je me suis toujours dit que je prendrais un jour le temps de vous dire ça en vidéo et ça ne s'est jamais présenté. Le contouring du nez sur une peau noire est compliqué un peu à faire parce qu'on a un nez vachement épaté et large. Donc vraiment, si vous ne savez pas le faire, ne le faites pas parce que je vois des résultats qui sont assez impressionnants. Et moi, je trouve que mon nez est très bien proportionné, enfin même trop bien proportionné par rapport à mon visage. Et la forme, la taille, la grosseur de mon nez ne me dérange absolument pas. Donc en général, quand je fais le contouring de mon nez, c'est uniquement pour la beauté du maquillage. Ne vous forcez pas à faire du contouring au niveau du nez si vous trouvez que votre nez n'a rien à corriger en fait au niveau de la forme. Faites-le vraiment si vous avez vous un complexe par rapport à ça, et vraiment faites-le bien parce que sinon c'est une catastrophe. Alors voilà, je suis à un stade du maquillage où je ne peux plus continuer. Il faut que j'aille m'acheter des sourcils. Voilà. Donc voilà, j'ai été mettre des sourcils sur la cabine. Ça va beaucoup mieux. Ils sont un peu présents, mais c'est tout à fait normal parce que je vais me maquiller juste après. Et que ce sera un maquillage chargé, donc il faut que j'ai des sourcils. Maintenant, on va poudrer en fait tous les produits crème qu'on a mis sur notre peau, si vous le faites en même temps que moi. Je vais faire un peu de baking, mais pas trop, parce que je ne suis pas spécialement fan du résultat du baking que j'ai sur la peau. Donc je vais utiliser une poudre translucide, ici c'est celle de By Terry. Et par-dessus, je mettrai une poudre minérale de MAC, une poudre Mineralize. Donc voilà, j'ai bien illuminé ma zone T, je vais maintenant juste poudrer mon fond de teint aux endroits où j'ai pas mis de poudre. Je vais maintenant venir sculpter un peu mon visage avec une poudre un peu plus foncée. Ici, je vais mixer la poudre Terracotta de Guerlain que j'ai depuis des lustres avec le Studio Fix de MAC en NW55. Avec le pinceau fond de teint que j'avais tout à l'heure, je vais venir sculpter mon visage avec une poudre un peu plus foncée que la couleur de ma peau. Et c'est là que je vais faire un peu de contouring. Vraiment un peu. Maintenant que j'ai apporté un peu de bronzant à mon visage, de beaucoup plus sculpté, j'espère qu'à la caméra vous voyez bien. Je vais venir illuminer en fait l'ossature de ma joue qui se trouve ici. Donc c'est ce qu'on appelle tout simplement l'highlighter. Ici je prends un produit Black Up que je viens tapoter sur l'ossature de ma joue. Et ce produit est juste sublime. Je prends ma Beauty Blender et je mélange.
Comme blush, j'ai choisi celui de Milani qui est le Red Vino. Un blush qui est très connu. Par contre, je vais en mettre un tout petit peu parce qu'il a de légères paillettes et je ne suis pas super fan. Voilà, et j'en mets uniquement sur le bombé de ma pommette. Avec le résidu, j'en mets un chouille sur le bout de mon nez, en haut de mon front et ici sur le menton pour pouvoir unifier le teint. Avec ma Beauty Blender, je viens mélanger le tout. Et je vais venir apporter un peu de couleur sur mes lèvres parce que du coup j'ai du fond de teint sur la bouche. Je vais prendre un gloss tout simplement. Voilà, le maquillage est presque terminé. Je vais prendre ma poudre Sublime de Black Up avec un pinceau éventail et je vais en appliquer légèrement un peu partout sur le visage. Et la dernière touche finale, c'est bien entendu vaporiser un peu de tonique ou peut-être un peu de Fix Plus ou la brune que vous désirez, mais il faut que ce soit quelque chose de pulvérisé en fait sur le visage pour enlever cet effet poudré. Et je vous assure que cette astuce fait toute la différence. Donc là, voici comment je fais ma routine teint flawless, celle qui me convient le mieux et celle qui me va le mieux à mon goût, à mon sens, bien entendu. En fonction de la personne que je vais maquiller, bien entendu, le teint ne sera pas fait de la même manière. En fonction de ses aspirations, de ses habitudes de maquillage, en fonction de sa capacité à assumer du maquillage sur le visage, on ne maquille pas la personne de la même manière, mais moi, plus il y en a, mieux je me porte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle aura pu vous apporter des éléments de réponse, des astuces. Peut-être des choses que vous ne saviez pas. Dites-moi tout ça en barre d'infos, surtout si j'ai employé des termes qui vous semblent un peu flous. N'hésitez pas à me poser la question et bien entendu en barre d'infos. En barre de com. Et bien entendu, on se retrouve en barre de commentaires pour discuter. Vous savez ô combien j'aime vous retrouver en bas dans les commentaires pour apprendre à vous connaître et puis discuter. Et c'est souvent les mêmes qui reviennent et du coup je commence à vous cerner, à prendre l'habitude de savoir qui vous êtes, etc. À connaître votre prénom plutôt que votre pseudo. Voilà. Et ça, c'est super cool. C'est super cool. Donc, moi, pour le coup, j'ai fini ma vidéo. Donc, je vais aller poser, faire les pauses, faire la belle un peu pour pouvoir faire les miniatures vidéo et poster tout ça sur YouTube et Instagram. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Peut-être dans une prochaine vidéo, peut-être. Hein, ce n'est pas sûr. On est un peu comme ça, comme ça. To never let it get too far. You see my silhouette, so you're standing scared.